J'essaye de faire une photo, regardez, il y a qui s'agrippe. Mais arrête! Bon, je recommence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un truc, un fil là accroché à mon collier. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée. Et voilà. Il y a Mimi Cracra qui est là, qui s'est assadi tout son pyjama ce matin avec son gâteau pour changer. Qu'est-ce que tu dis? Là on est parti faire des boutiques. Donc là je suis chez Zara, il y a plein de trucs hyper mignons. Regardez. Est archi mignon. Regardez-moi cet ensemble. Donc vous avez la veste comme ça et le petit short. Regardez, j'ai pris cette jupe avec cette petite chemise pour aller avec. J'ai oublié de vous montrer le look d'Alia aujourd'hui, elle est trop mignonne, je vous montrerai après. Mais j'ai mis une petite salopette comme ça, large, trop cute. Alia, j'ai choisi un petit sac, Alia. Tu montes ton sac? Waouh! Tu veux te l'acheter ton sac? On met l'argent de poche, on demande à papa pour aller au manège dedans. Est-ce que ton biberon il rentre dedans? Regardez comment c'est mince. Ce petit short pour Alia avec le petit haut qui va avec. Voilà, elle ne sait plus lequel choisir entre deux sacs. Hein. Regardez comme c'est trop mimes. J'adore. Et boire un petit perfecto pour elle. Pour les vacances, pour les soirées. J'adore. Et regardez là. Je vais prendre des petites choses pour les vacances. Regardez quand il est cute. 12-24 mois, je vais lui prendre. Il est trop mignon pour les vacances. Non? Ouais. Ça. Avec... qu'est-ce qu'ils font? Ah non, c'est pour les petits garçons, j'adore. Ouais, et ça, je vais lui en prendre une pour une sortie de plage, vous savez. Ça. Donc voilà, donc on a fait que Zara en termes de magasin. Franchement, les prix, ils se touchent un peu, Zara. Hein. Donc il y a des trucs que j'ai pas pris, parce que des ensembles, la veste, elle est à 80€ et le short, il est à 40€. Ça fait 120€ l'ensemble. Okay. Alors que c'est un truc d'été quoi, que tu vas mettre à la rigueur pas tous les jours. Donc franchement ça coûte cher, j'ai pas pris. Parce que pour moi ça reste des dépenses inutiles. Voilà. Et là on va aller voir les tatas. Voilà, on va aller les voir. Comme ça fait longtemps qu'elles n'ont pas vu Alia. Donc en même temps, nous on va les voir et ils vont voir Alia. Allez, on fait le outfit du jour. Petite combinaison comme ça. Voilà, large. Bon, les chaussettes roses, je sais pas pourquoi j'ai des chaussettes roses, mais voilà. T'es trop jolie! Ah, tu regardes le nounours? Hein? Ça y est, je viens de rentrer et avant d'aller faire la petite routine d'Alia, donc le bain, tout ça, je voulais vous redonner un code promo SoShape et j'ai une hyper bonne nouvelle. Donc pour déjà ceux qui sont addicts de SoShape, vous allez être contents, vous allez pouvoir faire un réassort. Et pour ceux qui ne se lancent pas encore parce qu'ils n'osent pas ou alors qu'il semble que c'est un petit peu trop cher hors budget pour vous, sachez que là, ça va être le moment parce qu'en ce moment, pour les Spring Days, il y a moins 15% sur les challenges de 14 ou 28 jours et en plus vous avez des cadeaux et en plus vous avez mon code promo qui est cumulable avec ces promos là de moins 10% à partir de 80€ d'achat. Pour ceux qui connaissent pas SoShape, et ben je vais vous en reparler tout de suite. Alors SoShape, déjà comme je vous ai dit, c'est sous forme de challenge.
de 14 ou 28 jours où vous allez pouvoir perdre du poids grâce à une alimentation qui est saine, qui est made in France, qui est Nutri-Score A et hyper bon pour la santé. Et surtout, une alimentation, on n'a pas l'impression de faire un régime. Donc, je vais vous en parler puis je vais vous montrer. Alors déjà, SoShape, vous avez du sucré et du salé. Donc ça, c'est hyper, hyper cool. Voilà, comme ça, vous pouvez arrêter également les goûters. Et en termes de salé, vous avez des goûts incroyables comme des pâtes mac and cheese, donc des pâtes au fromage, des risottos aux champignons. Enfin, vous avez énormément de plats qu'on a l'habitude de manger dans la vie de tous les jours, mais là, avec 250 calories par repas. Ce qui est assez suffisant pour ne pas être en carence, mais en même temps, c'est suffisant également pour ne pas grossir, donc pour perdre du poids et pour bien nous caler pour la journée. Et sinon, en termes de sucré, donc c'est à boire ou à manger. Donc à manger, vous retrouvez des petites barres comme ça de brownie. Vous retrouvez également des cookies incroyables. L'eau à la bouche, rien que de les voir. Vous retrouvez à boire des boissons un peu comme des milkshakes, donc aux fruits rouges, au chocolat, au brownie, Oreo, enfin énormément de goûts. Sachez que chez SoShake, vous avez 26 saveurs. Donc c'est vraiment à vous de choisir selon vos goûts. Et vraiment, vous allez perdre du poids avec ça si vous suivez bien le challenge. Le challenge, il est simple. Donc soit vous choisissez 14 ou soit vous choisissez 28 jours. Et pendant ces 14 ou 28 jours, vous allez remplacer deux repas dans votre journée par deux repas SoShape. Et grâce à ça, vous allez perdre du poids, vous n'allez pas être en carence, vous allez manger sainement et surtout, vous n'allez pas avoir l'impression de faire un régime au vu des plats qui sont proposés. Et ça, cette SoShape à faire, donc là il s'agissait des plats, des pâtes, pardon, mac and cheese. Donc vous avez vu, vous avez toujours les pâtes qui sont fournies avec, le riz qui est fourni avec le risotto, enfin tout est fourni, vous n'avez rien à faire. Donc foncez, je vous remets le code promo qui est là, donc je vous répète l'offre, vous avez moins 15% en ce moment, donc dans les challenges de 14 ou 28 jours, et en plus de ça, donc vous avez mon code promo de moins 10% qui est cumulable avec ces offres à partir de 4 € d'achat. Donc vraiment foncez. Après le bain, tout ça, je vous montrerai une fois que j'ai couché Alia. Donc, ce que je lui ai acheté. Des petites pépites trop mignonnes pour les vacances. Vraiment trop, trop, trop chou. En même temps, je les montrerai au papa. Mais vraiment, genre trop mignon. J'ai pris plein de trucs. Bon, du coup, moi, je me suis pris qu'un truc. Mais j'ai plus craqué pour Alia. Des petits maillots de bain et tout, là, pour les vacances, ça va être trop belle. Regarde. Regarde, tu as le maillot. Et j'ai pris plein les petits ensembles comme ça. Enfin, je vous montrerai tout après. Mais c'est vraiment trop mignon. Elle est déjà en train de foutre le bazar sur toutes les affaires que j'ai sorties. Mais je vous montrerai après. C'est Simba? Y a pas tout ça. T'es énervé comme ça. Allez, tu re-ranges, allez, on remet dedans. Allez, regarde. Allez, on remet. Donne à papa, on remet dedans. Attends, elle veut pas que ça soit dedans. Alors, je fête papa de Pâques. Je fête papa de Pâques, ma chérie. Quand Alia sera un peu plus grande, je ferai une petite chasse au trésor, histoire de... Mes enfants, quoi, avec du chocolat, mais sinon, en fait, pas Pâques.
Bon, un coup je mets un filtre, un coup je mets pas de filtre. Là, je suis très très fatiguée. Alors, je vous montre les petites pépites que j'ai achetées pour Alia. Est-ce que vous êtes prêts? Elles sont trop trop belles. Donc, avant que vous me demandiez à chaque fois d'où ça vient, c'est Zara. Voilà. Et moi aussi, je me suis acheté, je vous ai montré la belle petite chemise et la petite, une petite jupe. Je sais pas si ça me va. J'essaierai. Mais là, je vous montre d'abord les habits pour Alia. Chérie, t'as déjà fait Pâques? J'ai un mec qui me dit oui, tu pourrais faire Pâques, le papa est chrétien. Non, mais... Oui, j'ai déjà fait, ouais. Mais tu veux qu'on fasse Pâques? Bon, je m'en fous, non. C'est quoi Pâques? Bah, tu caches les jeux dans, les oui, jeux dans ça, le jardin. Oui, mais ça, c'est la base, ça, j'ai dit. Mais apparemment, c'est une fête chrétienne, genre, il faut le fêter. Oui, j'ai dit plus tard, oui, on cachera les œufs pour Alia. Ça, c'est trop mime, c'est mais comme... Tu fêtes Noël, tu te fais engueuler. Ben... Tu fêtes papa, tu te fais engueuler. Tu... Genre, chez nous. Alors, je suis pas chrétienne à 50%. Ça n'existe pas de dire que je suis chrétienne à 50% et musulmane à 50%. Non, pas du tout. C'est pas parce que j'ai des origines espagnoles que je suis chrétienne à 50%. En fait, vous mélangez tous, enfin pas tous, mais là, ce genre de personnes-là mélangent la religion et les origines. C'est comme les gens qui mélangent les origines et la nationalité. Enfin, tout ça, ça n'a rien à voir. Et en fait, qu'on fête ou pas, c'est notre choix, non? Je sais pas, il n'y a pas à dicter la vie des gens comme ça.